Bonjour à tous, c'est Coquelicot. Ah ben ça continue à faire des espèces de flashs là. J'ai la labradorite qui est juste à côté. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo juste avant. J'ai fait une vidéo où je faisais interférer la labradorite avec l'ordinateur et ça faisait des espèces d'interférences sur l'écran. C'est parce qu'elle doit être vachement magnétique cette pierre. Bon, je vous ai fait un tirage. Sur le 18, ouais, c'est le 17 novembre, pardon. 17 novembre 2018. Donc, j'ai demandé Béline, à l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'il pouvait dire sur le mouvement social du 17 novembre 2018. Je n'ai pas demandé qu'est-ce que ça. Quel serait le résultat, mais juste ça comme thème, quoi. Alors, j'ai eu un tirage assez inattendu. Alors, j'ai fait deux tirages. Un avec le Béline, un autre avec la triade, où là, j'ai demandé un peu plutôt comment ça allait se passer. Alors, mais avec le Béline, donc j'ai aucune carte négative de Mars ou de Saturne. J'ai plutôt, ouais, c'est plutôt un tirage conseil, en fait. On a la carte, alors, départ, réussite et l'intelligence. Donc, est-ce qu'il s'agit du départ du gouvernement, d'un nouveau départ, pour réussir un nouveau départ ou réussir à bouger quelque chose, à faire partir ce gouvernement? Il va falloir s'y prendre avec intelligence. Il n'y a que l'intelligence et non la force qui pourront faire quelque chose, quoi. Les deux options. Honneur et trafic. Alors, pour moi, la carte honneur va se référer à tout ce qui est en rapport avec les oligarques. Hein. Ce sont bien les attributs de Macron qu'on a sur cette carte, hein. Un doigt qui pointe pour donner des ordres, un spectre de dirigeant et puis une couronne, les objets qu'il pose au pied de son lit tous les soirs, quoi. En fait, c'est tout ce qui va être en rapport avec le faste, avec l'apparence, avec toutes les dépenses des dirigeants. Tout ce qui leur sert à briller, tout ce qui est tout ça là, il faut se détourner de tout ça en fait. Il faut les attaquer par ce côté là. Et la carte trafic, elle va se référer donc à la communication et aux échanges d'argent, au commerce. Donc ça va être les lobbies, hein, pour moi, tout ce qui va être gros mouvements d'argent, que ce soit les mouvements économiques, public ou privé, ou enfin tout ce qui brasse, quoi, tout ce qui brasse sauf, de l'argent sauf nous, notre argent par contre, l'argent qu'on n'a plus ou qu'on n'aura jamais. Et on a la carte tout en haut qui pour moi va être le moyen, sagesse. Donc la carte sagesse, hein, c'est la sagesse, c'est tout le contraire de se battre, de la guerre, hein. C'est être calme, être enfin pas forcément calme, mais prendre des décisions très très enfin intelligentes, hein, on a l'intelligence là, et ça va être la sagesse aussi, la non-action, je le vois comme ça, par rapport à tout ce qui va être dépenses ou tout ce qui va être en rapport avec le commerce etc. Et aussi c'est Mercure, hein, donc la communication, et donc les médias, la propagande,
Ça va être se détourner de tout ça en fait. Moi je lis comme ça, ce tirage, c'est que si on veut quelque chose d'efficace pour nous opposer aux mesures du gouvernement et à tout ce qu'on est en train de subir en France actuellement, il faut être se détourner de ce qui nous voilà de ce qui nous met devant quoi, c'est-à-dire la consommation, la mascarade de la politique, la télé, les médias, tous ces trucs-là. Et il faut rester chez soi et puis ne rien faire, quoi. Il y a une très bonne vidéo d'un monsieur qui est un youtubeur qui a fait une vidéo où il dit que c'est complètement stupide de bloquer les approvisionnements, de bloquer tous ces trucs-là, parce que de toute façon, c'est nous qu'on bloque au final. Ce sont les gens qui ont besoin de se déplacer, qui n'ont plus d'essence, qui ont, les gens qui ont besoin de vivre, qui n'ont plus de quoi faire. Bosser, bouffer, faire enfin, les trucs qu'ils ont à faire, quoi. C'est pas les gros, hein, les gros, et eux, ça les atteint même pas, ça. Ils regardent depuis leur canapé en se marrant, ils regardent les infos qui vont montrer tous les blocages, tous les trucs comme ça, et puis eux, ils en ont rien à foutre. Ce qu'il faut faire, c'est les atteindre, eux, au porte-monnaie. Et la seule façon de les atteindre au porte-monnaie, c'est de plus consommer. D'acheter le strict nécessaire et de pas aller la plupart des gens le samedi vont courir les boutiques, ils vont commencer à faire les achats de Noël, les trucs, les là, les machins. Ben il faut arrêter de rentrer dans ce jeu là et il faut arrêter de regarder la télé. Vous allez voir comment ça les inquiéterait si les gens ils faisaient la grève de la télé, quoi. Si plus personne regardait la télé. Franchement, ils auraient super les boules. Parce que c'est leur outil de manipulation principal. Donc, voilà ce qu'il dit, ce tirage. Il dit, détournez-vous de tout ça, restez sages. Et c'est marrant, hein, parce que j'ai fait une coupe avec le tarot Osho Zen, j'utilise pas souvent. Ceux qui connaissent, c'est des cartes vachement spirituelles, vachement. Enfin, il est très bien le tarot Osho Zen. J'ai fait une coupe et je suis tombée sur la conscience et la confiance. C'est pas mal quand même. Donc pour moi, la conscience et la confiance. C'est la sagesse. Ça se résume là. Et j'ai demandé donc, avec l'oracle de la triade, comment ça allait se passer. Donc là, c'est plus, j'ai demandé comment ça allait se passer le 17 novembre, le mouvement du 17 novembre, etc. Alors, on a la carte frère en haut qui va évoquer que les gens se soudent. Il n'y a que en se soudant que on peut arriver à quelque chose. Donc la fédération. Là, je me suis fait opérer les dents. J'ai hyper mal. C'est pour ça que je parle un petit peu difficilement. J'ai vraiment mal à la bouche là. L'équité qui est contre. Donc les inégalités. Hein. Donc on se bat contre ça. Hein. Les inégalités, c'est intéressant parce qu'on retrouve le même symbole hein, du caducée qu'on avait ici. Et quand je disais, contre quoi il faut qu'on s'oppose en montrant un désintérêt, là on a aussi cette même carte, hein, c'est le caducée aussi. Mais là, c'est du côté négatif. Et dans cet oracle-là, c'est l'équité. Donc, ça va être le manque d'équité, le fait de l'inéquité qui s'oppose à nous.
ce qui va, alors, on a une énergie féminine, la carte femme, qui vient en position d'accompagnement, position positive, d'énergie d'accompagnement, qui vont nous aider, qui vont aider, quand je dis nous, ouais, parce que je me sens concernée, ouais, par, puisque je fais partie du peuple opprimé, n'est-ce pas? Donc, c'est pas la première fois qu'on a l'énergie féminine qui vient en renfort. Je sais pas de quelle façon. J'ai déjà eu ça dans les tirages politiques. Comme quoi, il y a une énergie féminine qui va débarquer. Alors, qu'est-ce qu'on a là en résultat, donc, avec la triade, on a l'adversaire. Hein. Donc, tout mouvement de contestation se retrouvera face à l'adversaire, hein, avec cette belle étoile satanique, n'est-ce pas, hein? Maleficio Satani écrit. Donc voilà, on connaît bien les énergies contre lesquelles on se bat. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, j'ai recouvert avec l'ordre. Alors, c'est donc au début, je m'étais dit, enfin, l'ordre, c'est pas l'ordre de l'adversaire. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas l'ordre de la répression. Il faut le voir, c'est l'ordre divin, hein, sur cette carte. Ce sont les tablettes, hein, de texte avec la trompette qui sonne. Voilà, c'est la trompette des anges. Le jugement dernier. Et on a la fusion. Alors, le jugement dernier, c'est pour qui, hein? C'est pour ceux qui nous oppriment, hein, je pense. Donc, je sais pas, hein, c'est pas nous, hein, ça. Ça vient de plus haut. Ça vient de quelque chose. D'abord, il y a une oppression, il y a quelque chose de très violent, hein, avec le rouge. Cette carte, elle exprime l'adversaire, hein, quoi. Là on est dans la guerre, hein. Autant on n'a pas sorti de carte de guerre là, parce que c'était plutôt un tirage de conseil, hein, qui nous conseillait justement à nous de pas faire la guerre, de pas avoir une position belliqueuse. Par contre, dans notre fédération, on se retrouve devant une opposition belliqueuse, effectivement. Mais ça se poursuit donc avec quelque chose qui est en rapport avec des énergies féminines qui sont pour nous. Les cartes vachement avec une énergie vachement supérieure, avec ordre et puis fusion. Donc cette carte là qui exprime aussi, c'est intéressant parce que il y a aussi l'idée de conscience aussi, hein, là-dedans, dans cette carte fusion, la fusion vers quelque chose de plus lumineux, quoi, de plus ça, c'est dans le positif, hein, c'est une carte très positive. Une alliance, il va y avoir quelque chose, hein. De toute façon, j'ai déjà vu dans les autres tirages que j'ai fait, au niveau politique, ça va bouger. Macron, il va pas rester comme ça, tout seul, à continuer à foutre sa merde. Il va y avoir quelque chose ça va bouger. Bon, après, par rapport au peuple, ce sera peut-être pas forcément directement pour nous, mais en tout cas, la situation. Va évoluer vers quelque chose d'inédit, je pense, politiquement en France. Et ça va passer aussi au niveau des gens. Il y a une prise de conscience, hein, qui est en train de se faire. Elle va continuer. Et le tarot Oshozen, qui est conscience et confiance, ça, voilà, ça résume
l'état d'esprit dans lequel on doit être, quoi. C'est la conscience, d'ailleurs on le voit, hein. Il y a que par la conscience qu'on peut arriver à évoluer, et en prenant des décisions de bon sens, hein. Là on voit bien, je sais pas si on voit l'illustration, hein, c'est un voile gris qui se déchire avec au milieu donc un Bouddha, hein, qui apparaît, donc la conscience, l'illumination. Il y a que de cette façon qu'on peut évoluer, et en prenant des l'illumination, c'est à plein de niveaux différents, hein. C'est aussi à des petits niveaux, au niveau de personnes qui vont se dire ouais, ben, ça sert à rien d'aller se foutre tous ensemble dans un mouvement où il y aura que de la répression en réponse, alors qu'on a le pouvoir de pouvoir leur couper le robinet en arrêtant de leur filer de la thune, en achetant tout et n'importe quoi tout le temps. Je parle pas des gens qui achètent juste déjà ce qu'ils ont. Je parle pas des gens qui ont déjà rien et qui s'achètent le strict minimum qu'ils peuvent pour survivre. Je parle de gens qui dépensent leur argent comme ça, en consommant, pour se distraire, parce que c'est ce que propose le système, quoi, hein, de sortir le samedi pour aller dépenser des sous et s'acheter des trucs qu'on a déjà, ou se faire plaisir entre guillemets de toutes les frustrations que les gens ils ont eues au boulot toute la semaine, etc. Donc voilà, en fait le truc il est là, c'est qu'à un moment il faut prendre conscience de sa condition, quoi, et non seulement sa condition de personne manipulée par un système, mais en plus, surtout, sa condition de personne qui a le pouvoir de changer les choses s'il décide de ne plus être manipulé par le système et de plus jouer le jeu qu'on lui dit de jouer. Donc ça passe par là. Et voilà. Et c'est ça le. Donc ça, c'était la coupe, hein, de Oshozen, conscience et confiance. Bon, ben, j'espère que tout se passera bien pour tout le monde prochainement. Soyez prudents, quoi. Enfin, n'allez pas vous foutre en danger dans des endroits où. Parce que bon, moi, je vois à Paris toutes les dernières manifs que j'ai vues. C'est. Il y a toujours des bandes de casseurs qui ont rien à voir avec les manifestants, qui viennent foutre le bordel. Et voilà, donc. Ça va sûrement se passer s'il y a des manifs. Généralement, ça se passe comme ça. Donc, voilà, mon conseil, c'est vraiment agissez. Agissez contre le système en arrêtant de faire ce qu'il attend de vous. Mon prochain tirage en direct, je pense que ce sera le week-end prochain. Donc là, aujourd'hui, on est le 13, donc 13 mardi, 13, je sais pas, le 18, ouais, c'est ça, ça va être, ah ben voilà, ben c'est samedi, je suis naze, n'importe quoi. Ben, je le ferai peut-être dimanche, ou samedi, ou dimanche, je sais pas encore. Je ferai une petite annonce avant, je ferai une petite annonce jeudi. Voilà. Bon, bah, bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Si vous voulez me contacter, c'est coquelicot75@gmail.com. Si vous voulez venir sur mon groupe de cartomancie sur Facebook, c'est cartomancie, initiation, partage et tirage en direct.
Et sinon, il y a aussi un autre groupe qui s'appelle Résister pour exister sur Facebook. Et ça, c'est plus des trucs en rapport avec l'actualité, avec... Enfin, c'est avec autre chose que la cartomancie, quoi. Allez, à bientôt. Si le truc veut bien s'éteindre...